Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions du Père Vincent Fink. Le Seigneur soit avec vous. La liturgie de ce matin veut susciter en nous le désir de voir Jésus pour mieux le connaître. Et comment peut-on y arriver? Le Seigneur nous invite à l'écoute. Prenons le temps de l'entendre nous parler dans l'intimité de nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui t'es rendu disponible pour entendre la voix de ton Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as écouté et médité sa parole en ton cœur. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu as mis en pratique la parole entendue. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Agée. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Salathiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. » Or voilà ce que dit le Seigneur, par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récoltez peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Le Seigneur. À la louange de son nom,
jouez pour lui tambourins et cithares, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean-Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient: c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait: Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, la liturgie d'aujourd'hui pose une question. Qui est Jésus? À son époque, beaucoup de monde se posait la question sur qui était Jésus. Les réponses étaient variées. Pour les uns, c'était Jean le Baptiste ou le prophète Élie. Pour d'autres, c'était un prophète d'autrefois ressuscité. Et de nos jours, la question sur le Christ se pose toujours. Jésus, pour certains, est le modèle du parfait héros qui a pris parti pour les pauvres, contre les riches et contre les inégalités. Pour d'autres, il s'agit d'un grand philosophe ou encore un grand humaniste. Mais qui est réellement le Christ? Il y a déjà 2000 ans, une personne avait déjà donné la bonne réponse. Un simple pêcheur avait vu juste. Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et la question se pose pour chacun de nous, aujourd'hui encore. Pour moi, qui est Jésus? Est-il seulement une grande figure de l'histoire de l'humanité? Ou alors, est-ce que je fais mienne la réponse de Saint-Pierre? Si Jésus est le Fils de Dieu pour moi,
est-ce que cela a un impact dans ma vie? Et alors, comment son évangile est-il la lumière qui guide mes pas et éclaire ma vie de tous les jours? Si Jésus est Fils de Dieu, alors il est important que je cherche à le voir et que j'apprenne à mieux le connaître. Beaucoup de choses se disaient sur Jésus et par conséquent, beaucoup de monde voulait le voir. Ils étaient nombreux à chercher à voir Jésus, qu'il soit juste ou pécheur, de haute ou de basse condition sociale. En effet, même le roi Hérode cherchait à le voir. Mais pourquoi voir Jésus? Si c'est seulement par curiosité, alors cela ne sert à rien. Et de fait, pour Hérode, cela n'a rien changé quand il a vu Jésus le vendredi saint. Par contre, pour ceux et celles qui étaient disposés à ouvrir leur cœur, une rencontre avec Jésus pouvait changer leur vie, comme ce fut le cas avec Zachée et aussi pour le frère André et tant d'autres. Nous aussi, comme à cette époque, nous voulons voir Jésus, mais pas comme l'a fait Hérode. Chacun d'entre nous désire voir le Christ afin de mieux le connaître, car on ne peut pas aimer le Christ si on ne le connaît pas. Et il est vrai que nous ne pouvons pas le voir physiquement comme l'ont fait les apôtres, mais nous pouvons quand même le rencontrer. La meilleure façon de le faire, c'est de lire les évangiles, comme l'a fait frère André. Et c'est là que nous pouvons le connaître. Nous le trouvons aussi dans la prière et dans l'Eucharistie, car même si on ne le voit pas physiquement, il est là, présent, tout près de nous. Frère André en avait la certitude. Il disait, « La porte du Christ, c'est le cœur de Jésus. Et la clé de cette porte, c'est la prière et l'amour. » L'amour de Dieu, mais aussi l'amour des autres. Prenons donc du temps avec lui pour contempler son visage afin de pouvoir l'aimer davantage. Et tout au long de cette journée, redisons avec les mots de saint Pierre, « Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que ces paroles soient pour nous un motif qui nous invite à mieux connaître et aimer davantage le Christ par toute notre vie. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et avec tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles pour qui nous voulons prier. Sur tout cela, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.